On vous en parlait il y a quelques instants, on va accueillir David. David est une personne qui vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Sa vie aurait pu basculer, aurait pu changer du tout au simple ou du simple au tout. Je ne sais plus dans quel sens on le dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Du tout au tout, en fait, c'est ça. Pourquoi j'ai dit simple alors? Je ne sais pas. Oui, parce que... Parce que sa vie reste simple. C'est peut-être ça, effectivement, mon Jérém. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Salut David. Bonjour David. Comment ça va, vous David? Vous allez bien? Mais oui, et toi? Bah ça va, sauf que bah voilà, comme j'avais expliqué, logiquement je devrais pas me retrouver ici dans une camionnette occupée à rouler pour aller faire un service à la clientèle, si on va dire ça comme ça. Vas-y, raconte. Donc il y a eu la fameuse cagnotte Euromillions, donc de vendredi soir, la plus grosse cagnotte qu'il y avait jamais eu. Et donc j'avais tous les chiffres, sauf que je les avais pas joués, malheureusement. Mais comment ça? Chaque mardi et vendredi, en général, je joue tous les chiffres. Et moi, en étant pour le moment en construction, j'étais occupé, donc vendredi, toute la journée occupé à faire mon jardin et tous les travaux qui suivent pour la maison. Et ce jour-là, donc le vendredi, mon père m'envoie encore à 11h46, 7 et 8. Il m'envoie donc encore 4 combinaisons supplémentaires à jouer. Donc, dans ces 4 combinaisons, j'avais donc chaque fois les 5 chiffres et soit un complémentaire ou soit les 2. Donc, ça voulait dire que logiquement, j'aurais pris les 5 plus le 5, le complément, et les 5 avec les 2 étoiles. Mais non. Donc, les jokers et tout. Ouais. Donc, il est quoi, 6h30, je regardais encore mon GSM en me disant, oui, je vais vite encore valider mon bulletin. Ouais. Je continue encore à travailler dans le jardin et en fait j'arrive, il est quoi, 7h15, donc j'essaie de me connecter à l'application pour alimenter, je vais dire, point de vue finance pour pouvoir valider mes bulletins. Ouais. Impossible de me connecter. Donc finalement, oui, bon, je laisse tomber. Le lendemain matin, mon père m'appelle 3 fois, ce qu'il ne fait jamais. Donc moi je le rappelle dans le courant de l'après-midi et il me demande les combinaisons. Donc je lui fais un screenshot des combinaisons et là-dessus il me dit on a gagné. C'est pas vrai, mon Dieu, quelle horreur. Ouais. Je dis mais non papa, je fais écoute, non. Oh, il me dit je t'ai envoyé les combinaisons à 11h30 et il dit c'est les combinaisons sortantes, il dit on a gagné. Et là-dessus, je lui dis, écoute, j'ai pas réussi à jouer. Quoi. Oh, et là, il était. Mon Dieu. Ah, mais lui, il devait être encore plus dégoûté que toi, au final. Tout à fait. Mais je l'ai encore eu hier et avant-hier. Il m'a dit, c'est 2 jours, il en a pas. Il s'en remettait pas. Mais tu m'étonnes. Bon. David, moi, j'ai une question. Est-ce que tu joues régulièrement ou c'est la première fois que vous vouliez jouer? Non, nous, on joue depuis le début de la sortie de l'Euromillion. Donc, on joue. Tout le temps. C'est très, très rare que je rate une cagnotte. C'est encore pire. C'est encore pire. Et ici, c'est tout. C'est que, comme on dit, tout est écrit dans la vie. C'est clair. Et David, est-ce que, depuis que tu joues, ça fait quand même des années, est-ce que tu joues toujours les mêmes numéros ou tu changes? On joue toujours les mêmes numéros, sauf quand c'est des grosses cagnottes comme les 130 millions, comme ça. Là, on rajoute encore des combinaisons que chacun rajoute. Vous rajoutez des grilles, donc. Oui. Et quand c'est comme ça, donc ton papa, il ne valide pas de son côté les grilles, parce que visiblement, il est à l'étranger. Vous n'êtes pas dans Tout à fait. Mon père est entre les États-Unis et Tel Aviv. Ok, d'accord. Ah, donc lui, il ne sait même pas jouer? Non. Ah, donc tu aurais pu lui dire, mais papa, c'est ta faute, il n'était pas là. Ouais, mais malheureusement, là, avec la cagnotte qu'il y avait là, j'avoue que j'ai même pas osé lui dire c'est ta faute, parce que bon, je peux en vouloir qu'à moi-même, en fin de compte. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Mais oui, c'est leur... Je trouve que tu le prends bizarrement très bien. Écoute, je vais pas me rendre malade pour ça. Pour 200 millions, non, t'as raison. Non. C'est sûr que ça aurait été un plus, on aurait mis tout le monde à l'abri, mais je veux dire, voilà, on a tous la santé, la famille va bien, tout le monde se porte bien, voilà. Ouais, au final, c'est le plus important. On va la diviser, voilà, tout à fait. David, je veux savoir, tu vas continuer à jouer ou pas? Bien sûr, ah oui, non, bien évidemment. Non, David, il faut arrêter. Est-ce que tu vas jouer encore les mêmes numéros qui sont tombés? Je vais jouer encore les mêmes numéros, tout à fait. C'est incroyable. Et il aurait fait moite-moite avec un Suisse, hein, parce que c'est un Suisse qui a... Bon, avec 100 millions, t'es quand même heureux aussi. Ici, on a fait le calcul, on aurait été à 108 millions. Donc, on prenait le palier 5, il y avait 14 000 euros. Le palier 5 et une étoile, c'était 2 millions. Et en plus, il se fait du mal, il a calculé. Mais tu m'étonnes. Bon. Mais David, rassure-moi, depuis le début de l'Euromillion, vous avez déjà quand même un jour gagné quelque chose?
On a fait 4 et 1 étoile. Et oui, chaque fois après des petits montants. Hein. Mais sinon, le plus gros montant, c'était une fois 400 et des euros. D'accord. Ah ouais. Contre 100 millions. Ouais. Voilà. Et alors, je viens de recevoir un message où on voit les print screens de la conversation de David et son papa, qui prouve vraiment avec la date et l'heure, avec les numéros qui sont sortis et qui voulaient jouer. Donc on a la preuve vraiment, on va les poster sur les réseaux sociaux. C'est assez effrayant, quoi. Mais non, c'est effrayant, tout à fait, c'est effrayant. Mais bon, mon père est quelqu'un qui aime bien, qui aime bien les jeux. Et souvent, lui, il aime bien un peu tout ce qui est les tiercés, des trucs pareils. Et c'est vrai que souvent, il a déjà pris quelques belles sommes, on va dire, quoi. Ouais. Oh mon Dieu, oui. Moi, j'aurais pris une semaine de congé si ça. Si... De quoi pour digérer. T'as pas joué les numéros que tu joues tout le temps. Et puis, mon Dieu, c'est complètement dingue. Mais par contre, la probabilité pour que ces mêmes chiffres te fassent gagner plus tard sont quand même très minimes, non? Donc, faudrait tout pas changer. Fait. Mais en même temps. Comment changer quand c'est tellement particulier? T'imagines, tu changes et en fait, ces mêmes numéros retombent, donc tu t'en voudras encore. Donc, t'es un peu coincé, quoi. Un peu coincé, tout à fait. Mais bon, ici, ce sont tous des chiffres à la base, ce sont des dates de naissance. Sauf que les complémentaires ont été changés. Donc, d'autres enfants, alors. Ouais. Non, moi, je dis, faisons confiance à la vie. Il y a certainement une raison pour laquelle vous n'avez pas gagné. T'allais être malheureux. Jouer. Trop d'argent, voilà. Tue l'argent. C'est, voilà. Mais tu sais, David, on a un petit cadeau pour toi. On va t'offrir un mug énergie. Génial. D'accord. Il vaut cher, tu sais. Ouais, vraiment, avec beaucoup de plaisir. Comme ça, tu penseras à nous tous les matins. Tous les matins. Et surtout, avec grand plaisir. C'est le Wake Up Show. Énergie. Yeah.